Tero wabu ula anapasho kubapatia nguvu njuba fanyi biyote bile maesho kwani. Sawa, courage. Accent sana. Steve Mandanda, voici l'arrivée du fils. Le fils qui rejoint son père dans les rings. Oui. Son père qui est arbitre, son nom c'est Renard Madimba. Et le père c'est Bamayo, l'homme du tourisme. Voilà, il s'appelle le Jamaïcain congolais. Vire tu regalaka tu kuna mwita. Renard Madimba. Joe mwenyewe anakuwa pale yulu ya ringi, anakuwa na makompanya kukupasifika. Ego napita kukontroli, albitre babake. Nasio mtoto samu wa hivi. Voilà, tunona pale, sec pako. La mère, mère a parlé, maman Bijoum Bombo, tu l'as confirmé. Et c'est Timura. Timura qui va affronter Renard Madimba. Un combat équilibré. Hein, parce que Timura, c'est un grand technicien. Voilà. Mwamba, Timura Mwamba, un grand technicien. Et celui qu'on attend, il a toujours entraîné les fanatiques dans sa prière. Hein. Oui, oui, on a une prière prières qui est là, comme un rythme à Missouri. Je crois que je suis un fanatique qui m'a accompagné. Il est là que je suis un fan de la boutique. Bien, nous attendons le combat suivant. Steve Mandanda, El Kayumba. Allez, mon frère, le monnaie de Mouyembe. Ah, l'homme de Covid. Ouais, ouais. Donc il a un bon nom, mais il refuse de cartonner ça. Il se cache derrière Kayumba alors que son nom c'est Mouyembe Kayumba. Bon, félicitations à Mouyembe Kayumba, le suppléant. Voilà. Merci. Bon, il y a Renard Madimba qui est déjà là. Il y a, pendant qu'il y a un champion qui était gorétien de maîtrise. Là, les catcheurs eux-mêmes sont des bagarreurs, sont des gladiateurs. Alors tu peux. Timura est là, pour c'est son propre nom. Il est du catch club Balouba de Mbujimaï, au fond là. Du côté quartier Mamaïmo, lui il est très ancien dans le catch, il a commencé le catch à Belle Lurette, voulais-je dire. Il est venu avec sa canne, avec le seau d'eau, accompagné de Moana Mama et Pharaon. Il va commencer ses incantations. Mwamba de Mbujimaï, c'est un technicien, c'est un ancien. Et puis c'est un professionnel, Steve Mandanda. Ouais, ouais, un professionnel, Moufalme. Quand on a gratté la maungwa, qu'il y a une technique. Il y a une évocation. Public, il y a une accompagné. Mais cette chanson ici, il chante en Chilouba, il demande à Dieu d'exorcer la prière. Donc lui, okay. Il cache avec le Saint-Esprit. Selon voilà. Bon, pas la mungu, mungu. Reste la maungwa qui est ça, ça. Toi tu ne peux pas lui attribuer ces dieux là, lui dit. C'est le seul truc que Moutika ou Mungu, tout il est saillé comme dans la malawa. La Bible dit ne jugez point. À ton juger, tu regardes tous les points de vie. C'est votre point de vue. Oui, bon, parce qu'il dit ça, parce que Dingwe avait dit, Katcher Nyon Sassimba Kakis. C'est le point de vue aussi de Dingwe. Oui, Dingwe c'est parmi les monuments des catch dans ces pays. Ici en RDC, Dingwe c'est quelqu'un qui a beaucoup contribué dans les catch. On respecte. Mais il actuellement, il est devenu kimbanguiste. Le combat. Oui, ça commence déjà. Des projections, avec les Madimba. Les soi-disant Jamaïcains congolais, hein, c'est comme ça qu'il s'agit. Oui, oui. Te proclamer. Non, il assure, hein, il assure, parce que son papa est en train d'arbitrer ce combat. Son chassé réussi de la part de Renard Madimba, futur médecin. Et le papa, tel qu'il est là, il a deux casquettes. Hein. Alors l'arbitre, et puis s'il constate que son fils est en danger, il va intervenir. L'autre fois, on l'avait vu fâché là. Oui. Hein, il interdisait à un casseur de continuer. Ouais, donc, ouais. C'est ce que Steve disait que on y a tiré tout. Oui, oui. Voilà, bienvenue Kamunga son chassé. Ah, vu les papiers qu'on a peint, d'accord, on va monter qu'on a fait encore bien vite. Ah, on a tiré tout. Comme on a vu danger, quand on a piqué ville, ça va. Mais il ressemble quand même à son papa, hein, lui, Renard. Oui, 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 ressemblance. Le visage, tout ça. Normalement, chaque enfant doit ressembler à son papa. Oui, s'il ne ressemble pas à son papa, c'est suspect. Non, c'est-à-dire qu'il doit avoir des traits de son père. Parce que c'est le père qui a la sémence. Même l'enfant de Chibassou a les traits de son père. C'est Chibassou qui a la sémence. Oui, oui. Mais l'enfant de Mouyembe, c'est Mouyembe Kayumbazi. Hein. Oui. C'est celui qui a la sémence. Ah. Mais vous aimez beaucoup le nom de Mouyembe. Oui. Non, non, c'est ça le nom. Oui. Donc Mouyembe Junior. Vous ne verrez jamais un blanc qui peut s'attribuer à un Congolais. C'est les ça. Blancs gardent l'air, non, nous aussi on doit être fait. C'est pourquoi Chibassou est toujours Chibassou. Oui, tu vas sur le piano, oui, fiston. Oui. Voilà. Oui, oui, tu vas sur le piano, fiston. Le combat se poursuit pendant ce temps. Sur le ring, c'est Madimba qui assure, mesdames et messieurs. Renard va tuer Timura. C'est la poitrine. La cigarette va s'enflammer. C'est la poitrine. À l'image des Jibik. Hein. À l'image de son Jibik, papa. Jibik monte souvent sur.
sur la poitrine de ses adversaires. Les enfants d'Egibik ressemblent à leur papa. Ce sont les encadrés du champion Bobola. Ils se comportent toujours de la sorte, ces enfants. Attention, Timura, saut chassé. Réussi de Timura. Il est technicien aussi, hein. Il va répliquer Papa Timura Mwamba. Saut chassé. L'homme du catch club Balouba. Quelle projection! Non, Renard a un problème parce qu'il est face à un technicien. Allez, c'est un combat de géant. Timura a déjà pris un peu de l'âge, mais il est très souple. Très souple. Ah. Il a 13 enfants. Ah ouais. 13 combien, enfants. Combien? 13. 13 enfants. Oui, il y a certains enfants qui sont même à l'université. C'est un responsable, c'est un père de famille. Il a commencé à catcher il y a longtemps. 13 enfants, c'est ça l'Afrique. En Afrique, oui. Il faut avoir beaucoup d'enfants. Oui, mais il faut en avoir beaucoup. Nous ne sommes pas chez Macron ici. Écoutez, nous ne sommes pas chez Macron. Les Blancs veulent déstabiliser les Africains. Ils savent que quand les Africains seront nombreux dans le monde, ils vont conquérir ce monde ici. C'est comme ça qu'ils sont venus avec la modification de la Bible pour changer un peu la polygamie et tout ça. Donc, avoir les enfants, c'est ça même l'identité africaine. Donc, encourager 13 enfants. Oui. L'Afrique, c'est l'Afrique d'avoir beaucoup d'enfants. L'Afrique, c'est l'Afrique de la polygamie. Hein, c'est la culture africaine. Attention, Mamba Timura, il est dans la culture africaine. Non, c'est un tombé qui ne fonctionne pas. Dégagement, hein, de Timura. Oui, Timura. Le véritable Africain qui assure avec 13 enfants dans son ventre. C'est ça l'Afrique. Oui. Et je l'encourage même de continuer. À la bonne 15. C'est switcher musique. Switcher musique. Splash. C'est fini. Non. Dégagement de Mwamba. Attention, avec Mwamba Timura, un bain peut s'effectuer d'ici là au centre du ring. D'ici là avec un baptême parce qu'il catch avec le Saint-Esprit. Oui. Attention. Le Saint-Esprit. Allez. Ça, c'est à vérifier. Allez. Allez, c'est Timura. Timura. On peut dire Gambia Kweri. Gambia Kweri. Non, Gambia Kweri, les gens. Quel est mon norme sport? Quel est mon désordre? Quel est mon cité? Ah, c'est les jambes de Renard Madimba qui sont en train de souffrir. Il y a un champion là qui est un cinglé qui est venu intervenir. Bon, c'est ça le stade. Hein? Là, surpassement. Au stade, il y a tout le monde. Hein? Surpassement de Madimba. Attention avec cette prise. C'est un tombé. Non, ça ne réussit pas. Mwamba ressuscite toujours. Hein? Ouais. Il enchaîne avec des coups de manchette. Il commence à fracasser réellement Madimba. Ouais. Là, je vois que Timura s'est énervé. Ah, Renard Madimba. Oui. Il a ses gestes. Il a ses gestes. Il y a un champion qui dérange. Oui. Allez. Attention. Pendant qu'il y a un champion qui est en train de... Oui, il faut le maîtriser. Il faut vraiment le maîtriser. Oui. Et si Mandanda, c'est Renard Madimba qui donne des coups de manchette, apparemment ça ne fonctionne pas. Ah, il fonctionne. Njouti Mureko concentré, Banabamba Renard. Borra Renard, Anenda Kumankamba. Analewe na mwingia sana. Anachofa kule kuku Timura. Deuxième bor. Kintu beko na mwingia mukilari. Attention à son chasse. Hey, Timura na mulama. Bon technicien. Ouais, un bon technicien. Il enchaîne pendant que Bamayo voulait demander la vie à son fils, à son propre fils. Il faut rappeler que Renard Madimba, c'est le fils biologique à l'arbitre. Son père, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ceinture arrière. Timura qui le récupère. Et attention avec ses mouvements. C'est un tombé. Regardez, 1, 2 et enfin 3 enfermés. C'est la fin. Oui, je vous avais dit que Timura, c'est un technicien. Et puis, on a une technique. De la belle manière. Wow. Il n'a pas utilisé la canne, ni moins encore le sodo. Il a battu Madimba. Sincèrement, félicitations à Mwamba Timura du club Balouba de Bifle Mukishi. Feu impossédé. Feu Bifle Mukishi. Allez, il faut récupérer ce champion-là. Le champion doit se respecter. Parce que monter sur le ring comme ça et déranger, ce n'est pas aussi bien. Allez. Voilà, c'est satellite. Hein? Oui, c'est satellite. Satellite. Oui. Satellite. Le gars là est en train de tenir avec satellite. Ah, ça, c'est un catcheur. Hein? Oui. C'est un catcheur, il ne faut pas faire face à un catcheur.
Oui, oui. Un catcheur peut te déstabiliser facilement. Comment il peut aller monter sur le ring comme ça? Il a mal fait. Oui, Renard Madimba, Rabouina, Jeff, il est par technique. Facilement, tu. Bon, il est par technique. Ah, la fois technique, tu as la fois technique. Apana. Arega mo bingire bingire le machete boranga ona rango biga. Dola arelegeshana. Ok, ma fanatika ona balaka prochainement. Ba watu pa calme. Tu na fa entraînement. Switch the music da fa kashi. Ataka uka tu moyo. Ma fanatika maso jo machuka ninja wa bena wela wa. Bo, la. Ile ma balaza ba Timura. Bo, la munene ni entraînement. Jo la munene. Timura, félicitations pour le combat. Allez. Ok, toi c'est le moment de faire. Gagné moi le chip et mon goût à t-shirt fort. Ninde j'abat tout catch. Arriba et mon goût à mon goût. Arriba le moulet j'agat et amoulet j'agat. Le moulet j'en ai eu un bang à catch en tanta. Kubanga tanta ki kuma ya gachito. Kuri baba ba mwabeu. Kubanga tanta meki kuma ya gachito. Bibi jela nunye mang. Kuri mu mutrove ko kubishi mwaneo. Ko mwana September. Ingamila 2023. Kabe mwanje. Aba bigiri se bara bale saka chipuka saje. Kuri ke ba adversaire kai mwabeu. Mwabeu ndi munjira chipik. Ndi munjira moroje. Munjira skulu. Mwana lunga. Mais Merci. Dans ses œuvres, oui, oui. Timura vient de saluer les enfants. Oui, oui. Il y a des enfants. Il est l'ami. Oui, oui. Il est l'ami des enfants. Oui, oui. Et, c'est bien comme ça. Il est l'ami des enfants. Tic de l'autre côté. Et nous sommes en train. Timura, il attend Jibik, Mwanalunga, Mulozi et Zulu. Ah, il a dit que Jibik. Il est là encore avec deux enfants. Oui, oui. Voilà. 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 Il est l'ami des enfants parce qu'il a plusieurs enfants, c'est un papa. Ah, c'est... Voilà. Ah, voilà. Oui, il salue les enfants parce que lui-même là. Un grand producteur d'enfants. Oui, c'est un Africain qu'on doit respecter. Et quand on voit Timura sur la rue, on enlève le chapeau et on les salue. Il y a des gens qui. Oui, je dis que non, il faut vous aller à Samsung. Ah non. Il faut vous aller à Samsung. Ce sont des aventuriers. Ah. Parce que moi qui vous parle ici, j'ai participé dans des études scientifiques où on dit que celui qui a peu d'enfants, il exerce moins d'efforts pour les nourrir. Celui qui a beaucoup d'enfants, il fournit beaucoup d'efforts. Donc les gens qui ont peu d'enfants sont des fainéants. Bon, ils fournissent beaucoup d'efforts, mais au finish là, il va se fatiguer avant. Se fatiguer. Celui qui a moins d'enfants. Tout le monde se fatiguera. Oui, voilà, on finit toujours par se fatiguer. C'est lui qui a beaucoup d'enfants, voilà. son cerveau. C'est lui qui a peu d'enfants, il fournit moins d'efforts, eh bien il est fainéant. Et celui qui n'a pas d'enfants? Celui qui n'a pas d'enfants, il ne fournira pas d'efforts aussi, parce qu'il dit, il s'est dit, je n'ai pas de bouche à nourrir. Qui peut montrer ça scientifiquement prochainement. Merci. Parce qu'il faut avoir beaucoup d'enfants pour fournir beaucoup d'efforts. Toi, tu en auras combien? Mia, t'as 4 et 5 camarades. Samuzung. Ah, Samuzung. Vous avez déjà vu un mouillé, Mamuzung? Non. Non, tu l'as fait, ma Samuzung. Ah.